Imprégné de légendes et entouré d'un halo de mystère, est la Specchia dei Mori, connue aussi comme la Specchia del Demonio. Elle est composée de blocs de pierre de tailles différentes, placés l'un au-dessus de l'autre, en formant une cumule, dont la fonction originale était probablement d'observation et de défense du territoire. Il y a une curieuse légende populaire liée à sa réalisation. On raconte que la Specchia a été construite par des morts, désirés d'atteindre l'Olympe et voir les dieux. Mais les divinités virent d'un mauvais œil ce désir et, comme pour la légendaire tour de Babel, détruisirent cette rudimentaire voie de communication entre la terre et le ciel, en enterrant le blasphémateur constructeur au-dessous d'elle. Représentatif de l'ancien passé, le menhir du Théophile, situé dans l'homonyme rue, est le mégalithe le plus élevé dans les Salentes, avec ses 4,70 m d'auteur. Selon les témoignages qui remontent jusqu'à nos jours, le menhir del Théophile, ou menhir Sant'Otero, était un élément caractéristique des anciens rituels religieux en vogue parmi les Yapiges au 9e et 10e siècle avant Jésus-Christ, au début de l'âge du fer.